Salut de Céline et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du nouveau sous-marin qui est sorti aujourd'hui, le DLC Casino. Bah, vous le savez, il est sorti aujourd'hui. On vient de finir le braquage avec la salle et vous aurez, je pense, le braquage soit ce soir, soit tard dans la soirée, soit demain sur la chaîne de la salle. En tout cas, ce soir, nous rappelons que je serai en live à 20h, 21h. Je vous tiendrai au courant. Je pense que ça sera 20h. Voilà, je le dis. 20h, on sera en live pour le nouveau DLC, les gars. Et du coup, eh bien, écoutez, c'est parti. On va passer à la présentation du nouveau sous-marin. Alors, le nouveau sous-marin. Pour l'acheter, vous allez ici. On a pas mal de nouveaux véhicules. On vous présentera ça dans la semaine, bien évidemment. Alors, vous allez dans Warstock, voilà. Et vous allez ici. Et du coup, voilà à quoi ressemble le sous-marin. Donc, il coûte à peu près 9 millions d'euros. Je vais vous montrer. Donc, moi, en couleur, j'ai mis la couleur blanc. Bah, là, vous avez pas mal de couleurs. La salle, elle la prend en rouge. En rouge, j'aimais bien. Mais je trouvais que, bon, la salle l'avait déjà fait. Donc, je me voyais pas le prendre en rouge. Et noir, je trouvais ça pas trop top parce que ça existe déjà en noir, donc du coup je me suis dit je vais le prendre en blanc et je l'ai pris en blanc. Ensuite drapeau, j'ai mis la couleur bleue de la France, voilà, bleu blanc rouge, parce que voilà, j'ai la France les gars. On a pas mal d'autres pays, bah c'est en fonction de votre pays, si vous avez envie de mettre un pays quelconque. Ensuite sonar, faut valider, voilà, vous mettez valider, donc là je peux pas voir. Missile auto guidé, vous mettez oui. Atelier d'armes, vous mettez oui, et puits central. Alors voilà, puits central, là on peut voir, parce que les autres on peut pas voir. Donc atelier d'armes, voilà, c'est l'atelier d'armes qu'on a d'habitude. Hein. Le missile autoguidé, bah, c'est en gros les missiles, lance-missile. Et le sonar, c'est ce qui permet de voir des choses cachées en fait, c'est un sort de radar. Voilà. Ensuite, puits central, donc on a ici le Sparrow et le Kraken Avisa, donc c'est le nouveau sous-marin qu'on vous présentera également. Qu'est-ce que mec, un hélicoptère miniature, c'est un petit hélico, c'est l'hélico miniature qu'on a déjà vu sur GTA les gars. Et du coup il est disponible et on peut l'utiliser, on peut le commander à tout moment. Ok, et ensuite on a du coup le petit sous-marin, pense à tous ces épaves et tous ces déchets. Ok, là voilà, voilà un peu ce qu'on a dans ce petit du coup sous-marin. Donc je vais vous montrer comment le commander, comment, etc. Faire ce qu'il y a à faire avec. Parce que je crois qu'il me semble qu'on peut le conduire, les gars. Alors, vous allez ici. Vous allez dans véhicule imposant. Donc, vous appuyez sur le pad, les gars. Bon, moi, je suis sur PS5, mais c'est pareil sur PS4 ou sur Xbox. Vous appuyez sur le pad. Vous allez dans véhicule imposant. Vous allez dans COSACTA. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et du coup, là, vous faites demander votre code. Bah, on va appeler ça sous-marin pour que ce soit plus simple. Vous pouvez demander le véhicule. Donc, vous avez soit le sous-marin, soit le petit, tout simplement, hélico. Vous avez le dinghy. Donc, le dinghy, c'est le bateau qui permet de se déplacer. Très important quand vous allez faire le braquage. Soit vous prenez l'hélico, soit vous prenez le dinghy. C'est en fonction de vous. On a option de renvoi. Donc, voilà, c'est à peu près pareil. Faire monter le cosla à la surface. On peut renvoyer le véhicule plus central, renvoyer le dinghy au dépôt, etc. Ensuite, option d'accès. Bah voilà, ça c'est ce qui, en gros, si jamais vous voulez que personne ne rejoigne votre sous-marin, vous mettez oui ou non. Voilà, moi j'ai mis tout le monde. Option de vidage, vous mettez vider le sous-marin ou vider le centre de commande du sous-marin. Et ensuite, on a les tenues de plongée. Donc vous mettez n'importe quelle couleur que vous souhaitez. Donc on a jaune, blanc ou noir. Moi je vais mettre. Bah du coup blanc vu que mon truc est blanc. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est parti, je pense qu'on va aller voir notre sous-marin, les gars. Je pense que vous avez tous hâte. En plus il est juste à côté, je crois qu'il est là. Ouais, il est juste là. Il est là, on va voir comment il est. Parce que en blanc, j'ai pas encore vu les gars à quoi il ressemblait en blanc. Donc c'est vrai qu'on va voir ce que ça donne. Alors, il est juste là, pardon. Hop, voilà, il est là. Par contre, il est en bas. Ah, voilà. Waouh, ouais. Ah, oui, il est magnifique, mon sous-marin. Il y a le drapeau de la France ici, ok. Par contre, pour se poser, comment ça marche? Bon, bah, j'ai des gommes, mon oppresseur. On rentre par là? Ah, on rentre par là, ok. Let's go, c'est parti, on est rentré dans le sous-marin, on va voir un peu tout ce qu'on a dans ce sous-marin, tout ce qui est disponible. Et du coup, ok. Ah,
Pourquoi j'entends quelqu'un chanter? Ah, ça c'est le truc de l'hélico, les gars. Je kiffe trop son t-shirt. Oh, la zone de contrôle, les gars, apparemment. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, c'est un russe. Ok, c'est la cinématique de base, les gars. Wow. And maybe one. This I not show you. And room for upgrades, sonar, guided missiles, because you paid for them. Any questions? First order of business. You must get onto the island and take a look around. There is executive private party, and you are the entertainment. Or with the entertainment, you are the DJ's tour manager. Yes, it is kind of music. Adam Port, Rampa, and me, and you. You are number four. You will meet at the executive airport, and off you fly. I will be working with the team, like post-Soviet crack, telling you what to do on the radio. Now, whenever you are ready, the bridge is yours, Captain. Just press go. Ouais, le mec est chaud. Donc ça c'est pour faire le casino, les gars, pour faire les braquages du casino. Alors qu'est-ce qu'on a? On a utilisé le périscope. Périscope, ok, qu'est-ce que c'est? D'accord, ok. Du coup les gars, avec ça on peut verrouiller des véhicules et tirer si on a envie. Ok, bon. D'accord. Voilà à quoi ça ressemble, c'est pour surveiller ou tuer des gens avec le missile. Alors ensuite on a ici pour vous asseoir. Ok, pour vous asseoir. Je pense que c'est pour jeter des missiles. Pour tirer un missile autoguidé. What? Ouh, on peut aller où? Attendez, il y a quelqu'un ici. Il y a quoi cela? Il y a quoi cela, les gars? Il est vers où? Oh là.
Il était là, il était là, il était là. Attendez, il était là. Je l'ai eu. Je l'ai tué, les gars, avec le missile. Oh, c'est abusé, c'est cheaté. Ok, donc ça, c'est les missiles. Ensuite, on a quoi ici? Pour vous asseoir, on a des trucs là-bas ou pas? Voilà. Ah, ok, c'est les tenues de plongée là-bas. Donc là, c'est les tenues de plongée, ok. Pour mettre en tenue de plongée, c'est pour utiliser les trucs. L'hélico, on a quoi d'autre? Ok, on a un peu tout. Et le petit H, c'est pour le, bah, du coup, pour le braquage. Et le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est ça. Alors ça, à mon avis, les gars, ça doit être pour conduire. Appuyez sur croix pour naviguer. Mais non. Mais je dis pas qu'on peut conduire le sous-marin. Oh! On peut conduire. Oh, il y a un truc là. Il y a des malles cachées, les gars. D'accord, c'est pour repérer les malles, ok. Ah, on peut conduire le sous-marin. On peut conduire le sous-marin, les gars. What the fuck? Je suis en train de conduire le nouveau sous-marin. Ok, donc pour conduire, les gars, bah faut tout simplement faire ce qu'il y a à faire. Alors par contre, il y a une malle cachée en bas. On ira voir ce que c'est après, les gars. Mais je vois pas ce que ça pourrait être. En fait, il y en a une juste là. Il y en a 10 en fait sur la map. Ok les gars, je crois que j'ai trouvé la malle. Les gars, je suis sous l'eau. Je crois que c'est ça. Mais je sais pas ce que c'est. Ok, malle 1 sur 10. 7500, une malle. D'accord, il y en a 10 à récupérer. Mais je sais pas ce que ça donne le fait de récupérer les 10. Écoutez, on fera les 10 plus tard. En tout cas les gars, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la présentation du sous-marin. Et nous, on se dit à tout à l'heure. Ciao tout le monde.